C'est Julien, salut à tous, c'est Jordan. Nous revoici pour un autre jeu de course, c'est le troisième. Cette fois-ci c'est ATV Off-Road Fury Pro, il est tout nouveau, il est sorti le 4 juin 2008. Sur PSP toujours. Voilà, bon alors c'est un jeu édité par Climax, développé par Sony. Voilà. Il est classifié tout public, donc c'est beau. Oh là là, c'est chiant. Alors, bon, nous sommes en plein menu. Alors, on a un mode solo, mode multijoueur, garage. Il faut faire une petite modification, l'éditeur. L'éditeur piste, hein, les records, les options, les contenus cartes. Voilà, c'est une sorte de bonus. Pour acheter des nouvelles maps. Voilà. Alors, nous allons faire un petit solo. Allez, course unique, championnat ou entraînement. Hein. C'est tout simple. Course unique. On va faire une petite course unique. Temps de chargement raisonnable, hein. Pas super long. Hein, graphiquement, c'est exactement comme l'ancien. C'est exactement comme l'ancien. Un petit peu plus de fluidité, on va dire. On voit que c'est fluide quand même. Ouais. On a une bonne prise en main. Non? Oui. Bah, la prise en main, la jouabilité est exactement pareille. Alors ce qui est nouveau dans celui-là, c'est l'apparition des motos cross, on va dire. C'est sûr? Parce qu'en fait, sur l'ancien, ah, il y en a 4 en tout de ATV et j'en connais que 2. Putain, j'ai déjà fait un. Et j'en connais que 2. Un où il n'y a que des quads. Il n'y a que des quads. C'est un jeu qui n'a que des quads. Mais celui-là, je sais pas. Et celui-là, il y a les motos, des sortes de buggy et des quads aussi. Mais sur l'ancien, je le confirme qu'il n'y a que des quads. Celui-là, il aura plus de, celui-là, il a plus de véhicules. Hein. Alors, on fait des courses. Bah, vous pouvez voir, hein, faut être premier. Hein. C'est un peu le but. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Que je sais pas si elle est moto ou pas. Mais quoi? C'est sûr qu'il est moto? Dans celui-là, oui. Dans celui-là, oui, il a des motos. Quoi d'autre? Graphiquement, c'est comme l'ancien, mais ça reste toujours beau. Bah, là, on a. Toujours le même paysage, vous voyez, les nuages, ils bougent pas. Bon, ça c'est pas trop graphiquement, on s'en fout un peu des nuages. Aussi, on a l'apparition des circuits dans des petits raccourcis. Voilà, c'est bien, il y a du bitume, il y a de la terre. Mais bon, ça reste exactement la TV, hein. C'est pareil. Bande son aussi blindée de rock, hein, c'est hard rock. Voilà, c'est fait exprès. C'est violent comme jeu, même si c'est. Pour tout public. Pour tout public. Enfin, c'est moins violent que Fallout. Ouais, que Fallout. Je fais n'importe c'est quoi là. C'est une meilleure prise en main que Fallout quand même. Ouais. Alors, je sais pas quoi trop vous dire sur ce jeu à part que. Rien du tout. Voilà. Bon. Ah, vous avez vu, on est passé à travers un arbre, il a pas bougé. Voilà. C'est normal. Bon, on, PSP, hein, on est sur PSP, Jordan, on n'est pas sur console, next gen, quoi, overclock. Je sais pas. Tu as téléchargé le jeu, c'est pas bien. Bon, allez, on vous laisse par cette dernière scène, c'était mieux. Là, petit... vous avez, on marque des points. Ouais. C'était mieux. Un petit résumé sur le nouveau ATV Off-Road Fury. Pas trop de changement, sauf les bolides et les circuits. Voilà. Alors on vous dit au revoir et à bientôt pour une prochaine JVTV, que ce sera un autre jeu mais rien à voir avec un jeu de course. Voilà. Alors on vous laisse découvrir tout de suite. Au revoir. Ciao.